chose. Ok, c'est humain. Y a quelqu'un? Ça va aller. Vous ne craignez plus rien. Désolé pour le scan, mais on ne peut prendre aucun risque. Docteur Freeman? Gordon Freeman? C'est bien vous? Vous êtes arrivé tellement vite, Ellie va être stupéfait, pour ne pas dire soulagé. Je suis le docteur Judith Mossman. J'avais entendu parler de vous bien avant l'incident de Black Mesa. Oh, Black Mesa. Je vous envie d'avoir pu travailler avec Ellie et le docteur Kleiner au sommet de leur art. Ah, ça y est, vous pouvez avancer. Mais allons voir Ellie tout de suite. Je ne pardonnerai pas de vous avoir fait attendre. Content de vous connaître. Un peu plus d'aide ne nous ferait certainement pas de mal. Nous avons bien avancé ces derniers mois, mais tout irait plus vite si nous avions plus de personnes de votre expérience. Nous approchons d'une technologie de téléportage locale fiable, ce que le cartel ne maîtrise pas encore. Ellie pense que leurs portails sont basés sur des chaînes, comme notre modèle Calabio, mais ils n'ont pas pris en compte le principe d'énergie vide. Ils peuvent s'infiltrer de leur univers, mais une fois ici, ils dépendent des transports locaux. S'ils savaient ce qu'on fait des accrochages... Mais qu'est-ce que je dis, moi? On dirait une étudiante. C'est juste que je suis tellement contente d'avoir enfin la chance de travailler avec vous. Où en étais-je? Ah oui, le docteur Kleiner a pu comprimer le relais Xen bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer à Black Mesa. Nous savons comment utiliser les Xen comme axe inexprimé, en réalité, un lance-pierre dimensionnel. On pourrait faire le tour de la zone frontalière et revenir dans l'espace local sans traverser. Ah, voilà Ellie. Ok, c'est bien. Continuez comme ça. Ellie, regardez qui j'ai trouvé dans le sas. Gordon Freeman. Laissez-moi vous regarder. Mon Dieu, mais vous n'avez pas changé d'un iota. Comment faites-vous? Voyons, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai envoyé chercher de l'aide à la cascade de résonance. Je ne pensais pas que vous mettriez si longtemps à revenir. Bienvenue au labo. Ce n'est pas celui de Black Mesa, mais il nous sert bien. Avec Gordon pour nous aider, ça va être comme à Black Mesa. Exactement. Les diplômés du MIT sont de moins en moins nombreux. Enlevez cette combinaison pour environnement hostile et remettez votre bonne vieille blouse. Je finis et je vois ce que je peux trouver. Docteur Freeman, c'est un grand honneur. J'ai hâte de collaborer avec vous. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Ellie Vance fut notre premier vous collaborateur. Vous l'avez de ma femme, pas vrai? Cette photo et Alix. Voilà tout ce que j'ai pu emporter de Black Mesa. Gordon, les Vortigants t'ont dit que vous étiez là. Je n'y crois pas, vous êtes venu si vite à pied. Il a battu ton record, ma puce. Ah, il l'a bien mérité. C'est clair que vous pouvez gérer la situation tout seul là-bas. Il n'y a rien que Gordon ne puisse gérer. À part toi, peut-être. Oh, papa. Regardez-moi ça, Gordon. Le docteur Breen, c'est lui l'administrateur de tout ce commerce ignoble. Il a négocié la reddition de la Terre pour mettre fin à la guerre.
Le cartel l'a alors rendu puissant. Alix ? Je croyais que vous montiez la garde. Les Vertigantes ont pris la relève et je viens voir Gordon. De toute façon, je devrais être ici à travailler sur le portail. Les réparations sont sous contrôle. On a sous-estimé le thyristor du cartel. Vous m'accusez, là ? Non, pas du tout. C'était une erreur de calcul, pas un problème mécanique. Alors la prochaine fois, vous devriez peut-être me laisser faire les calculs, en plus de l'installation. Franchement, Alix, j'ai l'impression que vous faites exprès de ne pas me comprendre. Alix, pourquoi n'emmènerais-tu pas Gordon s'entraîner sur le pistolet antigravité ? Bien sûr. Venez, Gordon. On va bien s'amuser. Le manipulateur de champ énergétique 0.0 n'est pas un jouet, Alix. Sortons d'ici. Je vois que vous avez rencontré le docteur Mossman. C'est surtout à cause d'elle que je passe tant de temps dehors. Il faut l'entendre quand elle dit que c'est elle qui aurait dû être dans la chambre de test de Black Mesa ce jour-là. Pardon, je ne devrais pas parler dans son dos. C'est juste qu'on est un peu à l'étroit ici. Ce vieux passage mène à Ravenholm. On ne va plus là-bas. Bon, nous y voilà. La casse. Voici le pistolet antigravité dont mon père parlait. On l'appelle aussi manipulateur de champ énergétique 0.0, si on préfère. À la base, c'est pour les matières dangereuses. Mais on s'en sert surtout pour porter des trucs lourds. Essayez ? La première gâchette envoie une décharge. Vous pouvez tirer un truc et l'envoyer valser. Pour nettoyer les champs de mine. La deuxième gâchette permet d'attraper des trucs que vous pouvez lancer avec la première. Quand vous avez quelque chose, appuyez sur la deuxième gâchette pour le déposer doucement. Ramassez un truc et jetez-le. Vous pouvez aussi tirer des trucs de loin. Essayez d'attraper les canons sur le rebord là-haut. D'accord. Thank you.
attendez, j'appelle Chien. Il adore jouer à la balle. Chien, au pied. Bon chien, chien. Gordon, c'est Chien. Papa l'a fabriqué pour me défendre quand j'étais petite. Le premier modèle était à peu près grand comme ça. Il a bien changé depuis. Pas vraiment, Chien? Ok, Chien, on va jouer avec Gordon. Il faut le pistolet antigravité. Allez, Chien, lance! Pas mal! J'attends un autre, Chien. Génial. On fera un chien. Allez chien, lance. Excellent. Chien, va chercher ta balle. Jette le chien. Bien lancé. Quand j'ai dit qu'il aimait jouer à la balle, j'ai pas précisé qui devait la rapporter. Gordon, essaye autre chose. Chien, lance un truc plus gros. Non, chien. Non, mon chien. Par terre. Mets par terre. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Mon Dieu, c'était quoi? Des scanners. Ah, le cartel balaie la zone. On doit retourner au labo. Venez, Gordon. Alix, tu m'entends? Alix, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ici? Où es-tu, Alix? Nous sommes dans le sas de la casse, coincés en plein cycloto. Gordon est toujours avec toi? Il est là. Bien, je voudrais que vous... Papa? Emmène Gordon. Allez vers la côte. Ne passez pas par Avenant. Papa? Papa! Bon sang! Chien, ouvre le sas, sors-nous d'ici. Vite, maintenant! Casse-la s'il le faut, mais ouvre-la! Chien, ça suffit! Allez, Gordon! Venez! Gordon, il faut que vous partiez d'ici! Je ne peux pas laisser mon père! Chien, emmène Gordon au tunnel de Ravenholm, puis tourne autour et rejoins-moi. Vite!